Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Pokémon Colosseum. Alors, juste avant de reprendre l'aventure, que je vous explique ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Au dernier épisode, on a battu Elgonza et on a pu voir qu'il avait des Pokémon niveau 50 et plus. Je me suis dit qu'une session d'XP serait pas mal parce qu'à mon avis, Jakila, il aura des Pokémon bien plus haut que ça. Donc du coup, je suis parti au Mont Bataille pour affronter les dresseurs parce que je me suis dit que ça ferait de l'XP. Et en fait, ben non, déjà ça ne fait pas d'XP, donc un petit peu dommage. Par contre, une fois sur place, j'ai pu parler au PNJ vendeur du Mont Bataille. Il propose certaines CT, entre autres, qui sont quand même plutôt intéressantes, comme par exemple Laser Glace, Tonnerre, Lance-Flamme, Psycho même, et qui serait quand même plutôt cool d'obtenir. Pour ce faire, il faut les échanger contre ce qu'on appelle des Poké-Coupons. Les Poké-Coupons, qu'est-ce que c'est? Les Poké-Coupons, comme vous le voyez à droite, on a 2900 points. Pour vous expliquer un petit peu le principe du Mont Bataille, le Mont Bataille est découpé en secteurs. Dans chaque secteur, il y a 10 dresseurs à combattre. À chaque fin de ces 10 combats, on a une petite, on va dire, un genre de salle d'attente dans lequel on a un PNJ qui nous propose de retourner à l'entrée ou de continuer sur le secteur suivant. Je suis allé jusqu'à la plateforme 60, donc fin du secteur 6, et j'ai obtenu 2900 Poké-Coupons. Au final, bah, je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme de continuer. Je le ferai hein, certainement en off, parce que c'est vraiment très très long. Ça veut dire 60 combats. C'était pas hyper compliqué, on va dire. Le premier secteur, les Pokémon étaient niveau 15-16. Le deuxième, ils étaient tout juste niveau 20. Le troisième, ils étaient niveau 25-30. Après 30-35, quelque chose comme ça. Enfin voilà, et arrivé au niveau 50, je me suis dit c'est bon, voilà, j'arrête là parce que c'était vraiment très très long. Du coup, à la suite de ça, je suis parti au Colisée de Tsuereb pour XP un peu les Pokémon et de plus gagner de l'argent pour refaire le plein en termes d'objets, donc hyper beau, hyper potion, rappel, parce qu'on n'en avait plus beaucoup, donc ça me semblait important d'en reprendre. Alors je vous montre les Pokémon. Voilà, donc nous avons Meganium qui est niveau 52, Suicune 52, Mentali 49, Noctali 49, Entei 50 et Raikou toujours au niveau 40 parce que bah, c'est un Pokémon obscur. Par contre, petite chose, il faut savoir qu'avec tous les combats que j'ai pu faire, y compris dans le Mont Bataille, même si on ne gagnait pas d'XP, voilà sa barre de conscience où elle en est. Elle est presque vide. Également, je vais vous montrer aussi, Mentali a appris Psycho, voilà, donc que j'ai remplacé par Choc Mental. Et également, nous avons Noctali qui a appris l'attaque Balombre, que j'ai remplacé à la place de... c'était Puissance Cachée, je crois, ou un truc dans ce genre. Ouais, enfin voilà, bref. Balombre était une CT que j'ai obtenue en récompense du Colisée de Tsuereb. Voilà. Allez, et bien sur ce, on va pouvoir enchaîner et aller affronter Jakila. Waouh, c'est super grand ici. Waouh. Ah, c'est énorme. Waouh, la reine. Elle est géniale. Et du coup, on arrive ici. D'accord. Tu es en retard, Nairod. Je commence à me demander si tu ne t'étais pas fait battre par Elgonza. Bien. Je vais te faire expier les ennuis que tu nous as causés. En paiement de tous ces énormes ennuis que tu nous as amenés, tu vas devoir combattre ici. Fais en sorte que le combat soit le plus beau possible pour plaire à tous ces spectateurs. Ok. Allez, eh ben c'est parti. Hein. Premier combat. Alors. Combattre devant autant de spectateurs, ça rend nerveux, hein. Je ne veux pas me couvrir de honte. Alors fais-moi gagner en beauté. Ok. Culturiste Rambi. Mangriffe et Porygon 2. Ok. Donc, deux Pokémon de type normal. Alors, on va faire Tranche Herbe et Surf. Voilà, l'avantage avec ces deux Pokémon, c'est qu'ils attaquent les deux en face. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est eux qui ont le plus de niveau, hein, comparé aux autres Pokémon. Parce que quand j'épex les Pokémon, bah, je les utilisais plus souvent. Voilà. Bon, bah, le petit tranche-herbe qui fait pas tant de dégâts que ça.
Alors surf, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ouais. Aéropique. Aïe 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 aïe. Je savais pas que Mangriffe il pouvait avoir ça. Oh, et laser glace. Ok, Méganium et KO. Bon, ça commence. Youhou. On va appeler Noctali. On va tenter la balle ombre sur Porygon. Et puis Suicune, tu vas refaire ça. Et je pense que normalement, avec la balle ombre de Noctali, ça devrait bien se passer. Parfait. Elle a combien de Pokémon, elle? J'ai même pas regardé encore. Ça passe trop vite leur Pokéball en haut à chaque fois. Allez, 795 points d'XP. Ok. Écrémeux. D'accord. Oh, Pokémon obscur. Bien. Mais du coup, on va avoir combien de combats, là? Ah, j'espère que ça fait pas comme au Mont Bataille qu'il y en a 10, hein. Bon, alors, on va faire Ballombre sur Écrémeux, et puis on va faire Surf. Normalement, Écrémeux est assez résistant. En plus, il fait boule armure, donc ça devrait pas le mettre KO. On va bien voir. Ok, donc ça devrait passer. Allez, Porygon 2, au tapis. On peut se focus sur Écrémeux. 867 points d'XP. Ça n'affecte pas Écrémeux. Ah mais oui, mais non, mais je suis bête, c'est une attaque spectre. Bah oui, pas sur un type normal. Bon, bah on va faire morsure. Et puis on va faire tornade, on va y aller doucement. Hein. Ouais, augmente ta défense, t'as raison. Au moins on est sûr de pas te mettre KO. Ah bah oui. Vraiment. Bon, bah en espérant que morsure fasse un peu plus de dégâts quand même. Ah, un peu plus, ouais. Un peu plus quand même. Du coup, on va refaire une morsure. Oui, on va refaire une morsure. On va refaire tornade. Plaquage. Ouais. Pas de paralysie, pas de paralysie, pas de paralysie. Pas de palais. Hop. Je crois que c'est foutu. Je crois que c'est foutu. Pas de charge noire, pas de charge noire, pas de charge noire. Allez, Noctali, on utilise une hyperbole. Voilà. Et Suicune, appelez. Juste appelez. Allez. Est-ce que c'est bon? Alors, de toute façon, on peut plus rien faire d'autre, là. Alors, attention. Une. Deux. Ah non! Ah non, 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 non! Ah non! Ok, plaquage. Non, parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à utiliser charge noire quand ils ont presque plus de PV, alors... Ok, Noctali est paralysé. Aïe, aïe, aïe. Et il est paralysé aussi. D'accord. Hyperball sur Écrémeux. Et Suicune, tu vas soigner Noctali. Voilà. Allez. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, on y croit. Une fois. Deux fois. Trois fois. Oh! The fuck, c'est abusé. Noctali, on repart sur une hyperbole. Ben heureusement que j'en avais repris. Hein. Et Suicune, un petit rappel sur Meganium. On sait jamais. Allez, c'est bon maintenant. Allez, 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 c'est bon là, ça rentre. Allez, verrouille-toi là. Une, deux... 3. Oui, attrapé. Très bien. Eh ben, 3 hyperballs quand même, hein. Phew. Quoi, ça ne devait pas se passer comme ça. Ben, je t'avoue que je pensais pas autant, moi. Ok, un deuxième dresseur. C'est à moi.
Ok. Bah, c'est parti. Biker Easy. Ouais, alors attention. Je crois que le nom colle pas au produit. Hein. À mon avis, Absol. Oh. Emily, dis-moi que c'est son Pokémon obscur. Je veux Absol. Oh. Alors. Oh, ah, trop bien. Allez, il n'est pas capturé encore. On s'affole pas. On va faire Trancherbe et Suicune. On va y aller doucement. On va tenter la tornade sur Absol. Je veux voir les dégâts que ça peut faire. Je veux pas prendre de... Ok, doucement. J'ai cru que ça allait descendre beaucoup plus vite que ça. Ça fait un peu de dégâts quand même. Wow! Oh, le one shot! Magnifique! 880. Graiena. Ténèbres. Type ténèbres. Ah ouais, ça va. Dans Slam, ça va augmenter son attaque. Allez, Meganium, on repart sur un Trancherbe. Et Suicune, on va faire Onde Boréale sur Graiena. Ouais, je vais essayer de... Oh, il est vite. Dommage. Je vais arriver à dégager ses autres Pokémon. Et qu'on se focus que sur Absol. Ah, dommage. Je pensais que ça aurait fait plus de dégâts quand même. Charge noire. Ah, c'est vrai qu'ils utilisent ça, eux. Wouah ! Oh, le pauvre Meganium, ce qu'il a pris. Lui, il encaisse bien d'habitude. On va mettre Noctali. Je sais pas si c'était la meilleure idée, mais bon, c'est pas grave. Ok, il rate son attaque, très bien. On va faire Morsure sur Graiena et Suicune. Tu vas faire Tornade sur Absol. Je veux pas lui enlever trop de vie d'un coup. Ouais, ça y est, on atteint le jaune. Charge noire. En plus, il fait charge noire, donc attention. Waouh, waouh, waouh. Mais elle fait mal, son attaque charge noire. Hein. Que de faire. Oh, il rate encore. Parfait. Je suis paralysé. Aïe, dommage. Noctali, on va te soigner. Mais je suis en train de réagir d'un coup, là. Nos Pokémon n'ont pas été soignés après le premier combat. Oh, mais j'espère qu'il n'y en a pas 50, hein. Et Suicune, tu vas faire... Faut qu'on dégage Graiena. Hein. Allez, Onde Boréale. Parfait. Ah, mais alors ça veut dire que nos Pokémon ne sont pas soignés entre chaque combat. Ouais, donc là, stratégie au max. Hein. Parce que j'ai pas non plus 30 hyper potions, 50 rappels. Et puis j'ai pas non plus 50 hyper balls. Noctali, une super potion. Voilà. Et Suicune, on va refaire une tornade sur Absol. Ok. On commence à être très bas. Mais à mon avis, ça suffira pas. Ok, charge noire qui va lui enlever un peu de PV. Waouh. Ok, il est dans le rouge. On va pouvoir tenter. Hop, une hyper ball sur Absol et une super potion sur Noctali. Absol, je le veux, hein. Je le veux, j'adore Absol. Je le surkiffe comme Pokémon. Je sais pas pourquoi, je le trouve trop classe. Ouh, ok, d'accord. Ah oui. Et attention parce que là il fait des charges noires là. Oulala. Oulalalala. Noctali, on te soigne. Hyper potion. Allez Suicune, hyper ball. Je pourrais tenter la chrono ball mais à mon avis le combat il est pas assez long. Il est clairement pas assez long encore pour utiliser une chrono ball. Alors. Une fois. Deux fois. Trois. Oui, il a attrapé. Oui. Yeah, yeah, yeah. Mais il est encore plus fort que ce qu'on m'avait raconté. Dégage. Casse-toi. 480 Poké Dollars. T'es radin.
Ok, et maintenant? Oh, encore un combat. Mais on peut pas soigner les Pokémon avant, s'il vous plaît. Tu es Nairon, n'est-ce pas? J'étais impatiente de te rencontrer. Pas moi. Ne trouves-tu pas que c'est un honneur de combattre en pareil lieu? Te vaincre va me faire progresser dans les rangs du groupe. Ouais, mais je veux soigner mes Pokémon. Allez, Chloé. Démolas et Charter. Oh, Démolas. Il est trop classe aussi celui-là. Hein. Moins Capsule. Ah, ça serait bien si ça pouvait être son Pokémon obscur. J'aime bien Démolas. Ah. Oui! Attention, il n'est pas capturé. On ne s'énerve pas, il n'est pas capturé. Du coup, Suicune, je ne vais pas faire surf, bien sûr. On va mettre Raikou et Mentali, tu vas faire Psycho sur Charter. Encore une fois, on va essayer de dégager doucement tous ces Pokémon et ne garder que le Pokémon obscur. Waouh! Ok, grondement, je crois que ça augmente son attaque, ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'était soit ça augmentait pour lui, soit ça baissait pour nous. Il rate son attaque, merci beaucoup. On va faire Vive Attaque sur Charthor. Et Mentali, on va y aller doucement. Tu vas faire retour sur Démolos. Ok, allez, lui, au tapis. Bon, je suppose qu'elle a un autre Pokémon. Ils en avaient trois jusque-là, donc. Volcaropode, d'accord. Alors, retour. Ok, pas mal, hein. Attention quand même, hein. Deux fois, c'est limite après. Pour l'instant, il n'a pas fait de charge noire, mais. Il augmente son attaque. Au moment où la charge noire elle va partir, elle va faire très mal. Raikou, on tente le Fatal Foudre sur Volcaropode. Et Mentali, on va faire Météore. Ça fait moins de dégâts. Je crois qu'on n'aura pas des molasses. Aïe, on ne l'aura pas. Il va se mettre KO. Wouah, le 1 PV qui tient. Oh, il est pas mort, il est pas mort. Allez, Fatal Foudre. Oh non! Bon bah, il canicule. Ok, bon bah, Raikou est quand même mort. Dommage, dommage. Là, franchement, on était à ça. Hein. Ok, ça va. On va mettre Suicune. Mais maintenant, ils vont se venger sur Mentali. Donc attention. Avec Suicune, on utilise une Hyperball sur Démolos et Mentali Psycho sur Volcaropode. Si ça pouvait faire la même que pour Charter, ça serait nickel. Alors, est-ce que Démolos va être bon ou pas? Attention. Une, deux, trois. Oui! Ouah! Oh! Trop bien! Je suis content là. Ah oh, non, dommage. Oh non, là vraiment, c'est le 1 PV là de. Ah, c'est comme pour Raikou. Ok, autant pour moi. C'est comme pour Raikou. Bon, canicule qui fait que dalle à Suicune, mais ça c'est normal. Un petit peu plus à Mentali. Attention. Parce que nos Pokémon ne sont pas soignés, je ne sais pas s'il y a d'autres combats derrière. Du coup, on va faire une tornade sur Volcaropode. Et Mentali, on va utiliser une petite super potion. Voilà. Allez, c'est pas très efficace, mais ça le met KO et c'est très bien. Wouah! J'ai le cœur qui bat trop là. Suicune, 53, nickel! Et Mentali, 759 aussi. Est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y en a d'autres? C'est terrible, je vais me faire mettre à la porte. Je m'en fous. 1880 Poké-Dollars. Ok, nice. Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Ah non. Ok, encore.
Oh là 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 là, on a des Pokémon en mauvais état là. On peut vraiment pas les soigner avant. Oh mais il fait un sourire lui. Ah mais c'est pas beau hein. Je suis ton dernier adversaire. J'ai été choisi pour te balayer. Contemple ma puissance. Vous devriez arrêter de sourire, c'est malsain. Guerrier ombre, Derder. Ah bah oui, bah c'est le dernier, donc la Derdéder. Hein. Tropius. Oh, allez. Pokémon obscur. Ah s'il vous plaît, je veux. Ah je suis un gamin là, je suis un gros gamin là. Oh oui. Mais comme pour les autres, attention, il n'est pas capturé. Donc, on va faire onde boréale sur Vasilis. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On balance Psycho aussi. Allez, on balance Psycho. Ben voilà, et normalement, avec onde boréale, ça devrait passer crème. Enfin, j'espère. Une attaque glace, quand même. Il est roche-plante. Oh. Ok, son attaque baisse, bon, c'est bien aussi. Feuille magique. Aïe, 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 mais oui, Suicune, il va prendre cher. Ah non, il s'attaque à Mentally. Bomberk. Aïe, 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 Mentally va mourir. Ah non, c'est sur Suicune. Vous êtes très bizarre. Suicune, qu'est-ce que tu pourrais faire? On va te changer, hein. Et on va mettre Entei. Et Mentally, Rafale Psy sur Vasilis. Voilà, normalement, au niveau des attaques, ça devrait bien aller pour eux. Bon, à part Mentally, faut faire attention quand même. Allez, et un en moins. Donc, il doit lui rester un troisième Pokémon. 688 XP pour tout le monde. Cacturn. Ok. Évolution de Cacnea. Feuille magique. Ok, sur Mentally, attention, hein. Va falloir le soigner, là. Du coup, avec Entei, on va tenter la déflagration. J'aimerais bien qu'elle passe sur Cacturn. Et Mentally, tu te soignes. Super potion. Hop là. Pas gaspiller les hyper. Allez, déflagration. Oui, elle passe. Super. Nickel. Donc là, c'est bon. Normalement, il reste plus que Tropius. 928. Pas mal. Oh non, il en a un autre. Rafflesia. Ok. Bon, ben, Rafflesia. Ah, mais c'est vrai qu'il est type vol aussi. Oh, attention, là. Du coup, Entei, déflagration sur Rafflesia. Et Mentally, on va juste faire retour. Parce que si jamais on tue Rafflesia... Non, de toute façon, Tropius est dans les airs, donc ça le touchera pas. On va quand même faire juste retour. Je veux pas utiliser une attaque psy. Pas prendre de risque. Ok, c'est super efficace. Et ça le met KO. Très bien. Bon, mais j'ai bien fait... Parce que là, si c'est Tropius qui attaque vol, le retour va être sur lui après. Ou alors si Noctali attaque avant, c'est dans le vide, mais c'est très bien. Allez, 945. Très bien, retour. Ok, très bien, ça me va. Ouais, super. Allez, vol. Sur Mentally, attention. Entei, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Morsure et Mentally. On va faire retour et morsure, et on va voir. Ok, morsure, ça va. Oh bah, tranquille, on peut le refaire encore une fois. S'il n'y a pas de coup critique, tout se passe bien. Et j'ai même pas envie de tenter la morsure, en fait. On va utiliser un rappel sur Meganium. Je pense que ça peut être bien. Et puis, on va faire retour avec Mentally. Mais il est dans les airs, ouais. Donc il attaque toujours après. Aïe, Mentally KO. Bon. On va appeler Meganium. Entei, du coup, tu vas faire... on retente la morsure. Allez, on retente une morsure. Et Meganium, tu vas faire synthèse. Tu peux te soigner. Bah ouais, carrément, tant qu'à faire. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Zénith. Hein, ça aurait été bien plus efficace. Mais attention, parce que Tropius, il est type plante. Mais il est bien capable de se régénérer aussi. Hein. Bon, on est full vie. C'est pas mal.
Il a la trouille, très bien. Est-ce qu'on tenterait pas de le capturer quand même? Je vais essayer. Hyper Ball et Meganium. Trancherbe, ça fera pas trop de dégâts. Allez, voyons voir. Est-ce que ça passe ou pas? J'y crois pas trop, hein. Il y a beaucoup trop de PV, hein. Mais bon, on sait jamais avec un coup de chance. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, ça passe crème aujourd'hui, là. Waouh. C'est trop bien, hein. Allez, cette force, tu n'es pas un tendre. Ah ben, je m'en fous, je suis trop content, là. 1960. Mais c'est trop bien. Et du coup, dernier combat ou il y en a encore un autre? Oh, la musique. Bravo, bravo. Vraiment superbe. Tu pourrais facilement devenir dresseur professionnel. Tu atteindrais sans aucun doute le rang de dresseur star sur le champ. Je te le proposerais bien, mais je n'ai pas le cœur assez grand pour ça. Je vais te faire connaître la pire des humiliations devant cette foule. Ouah, d'accord. Un combat est lancé par Ombre Jaquila. Il n'y a plus de musique. Ça me met en stress, là. Attention. Alors, Garde-Voir et Kemorse. Ok, Meganium peut être très vite en difficulté. On va faire Trancherbe et Suicune. On va faire Surf. Ça fera des dégâts à Kemorse. Alors, coup critique. Ouais, bah d'accord. Coup critique, vraiment, tu repasseras. Et c'est super... Oh, c'est tout. Ah, il est type glace, alors après, est-ce que le type glace passerait pas aussi dessus? Je sais pas. Ou alors, c'est qu'il a une très très bonne défense. Dans tous les cas, la Meganium a grande chance de mourir. Hein. Kemorse lui balance une attaque laser glace, c'est fini. Hein. Ok, et tonnerre sur Suicune. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Attraction, d'accord. Sur qui? Sur Suicune? Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Ah bah non, pas du tout. Sur Meganium. Alors, Meganium, on repart sur un Trancherbe. Et Suicune, il faudrait te soigner, en fait. On n'a pas le choix, là. On va prendre qu'une super potion. Voilà. Hop, sur Suicune. Spécial plus, utile... Ah, d'accord, il augmente leur attaque spéciale. Eh, pas bête, hein. T'es amoureux de Kemorse. Mais il peut quand même utiliser Trancherbe. Ok. Ça diminue un petit peu ses PV, c'est bien. Faut le voir comme ça. Oh, et ça touche Kemorse quand même. Oh, génial. Trop bien. Alors là, c'est vraiment cool. Du coup, on va recommencer et on va faire Surf. Trancherbe. Déjà, il attaque avant, ça c'est cool. Et ça touche aussi Kemorse. Oh. Oh non. Abusé, là. Oh, vraiment? Bon, bah, Surf va l'achever. Bon, heureusement, hein. Heureusement qu'il y a des attaques comme ça qui touchent les deux Pokémon en face. Oh, trop bien! Les deux KO d'un coup! Wouah! Ouh! Allez, au suivant. Parce que toi, à mon avis, t'es un chef, hein, donc t'en as 6. Ça, c'est quasi sûr. 1225 points d'XP. Ok. 1152 pour Meganium et Suicune également. Xatu, Volpsi. Ça veut dire attaque ténèbres. Et on peut garder Suicune pour Brazegali. Aïe aïe aïe, j'ai peur pour Meganium. Pas grave, on va quand même faire plaquage sur Xatu. Et on va faire Surf. On va essayer comme ça et au pire j'appellerai Noctali pour Xatu. Et Mentali peut être pas mal aussi pour Brazegali. Bon, bah, on folie sur Meganium. Allez, Surf. Et là, normalement, Brazegali, il devrait tomber, là. Oh, bien. Ah! Vantardise. Ok. Ça augmente notre attaque. C'est ça. Meganium, on balance un Trancherbe. Et Suicune, on va refaire Surf.
Alors. Aïe. Ah oui. Ah, dommage. Oh, Begvry. Aïe, 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 Meganium. Ça va. Il encaisse. Prochain coup, faut faire synthèse. Et un KO. Et normalement, Brazegali, il suit. Hein. Bah, franchement, ça va en fait. Hein. J'aurais imaginé le combat beaucoup plus difficile. On n'est pas arrivé au bout, mais bon. 988. Et 1209. Bientôt un niveau pour Meganium. Terraclope. Non, Spectre. Et Métalos. Acier Psy. Ça, c'est sûr. Et Pokémon Obscur. Oh! Métalos! On va faire synthèse déjà. On va faire synthèse. Et Suicune, tu vas faire une attaque surf. Aïe, dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Meganium va être KO. Ils vont l'attaquer. Alors, surf, qu'est-ce que ça fait en termes de dégâts? Ouais. Ok. Faut pas le faire deux fois. Bon, bah, Psycho sur Meganium, ça, de toute façon. Faut pas avoir fait Bac plus 10 pour se douter qu'il allait faire ça. Du coup, on appelle Noctalie. Balombre. Ce n'est pas très efficace, ouais. Ah, la défense spéciale qui baisse. Alors du coup, Noctali, on va faire feinte, on va essayer sur Terraclope. Et puis Suicune, tu vas faire tornade sur Métalos. Pas faire trop de dégâts parce qu'il est déjà pas mal. Ok, ouais. En plus en coup critique. Hein. Voilà, tornade qui passe en coup critique. Ok. Allez, feinte. Ouais. Ah, j'aurais vu un peu plus de dégâts, mais c'est pas grave. Mur de fer. Ok. Sa défense qui augmente, ouais. Ouais. Onde folie. Ah. Sur Suicune, c'est pas grave. Alors, Noctali. On va refaire feinte sur Terraclope. Et Suicune, bah, pas grand chose en fait. Tornade. Allez. Ah, punaise. Il est sérieux de régène comme ça. Ouais, ça fait rien. Mais je sais pas en fait, j'ose pas l'attaquer. Il est capable de faire charge de noir donc. Puis si ça se trouve, l'autre, il va lui mettre une hyper potion aussi. Alors, comme ça, il y aura tout à refaire. Ah bah voilà, charge noire. C'est toujours quand ils commencent à être très bas dans les PV, de toute façon, qu'ils font charge noire. À croire qu'ils veulent se dégager eux-mêmes pour pas qu'on les attrape. Allez, on est reparti. Feinte sur Terraclope et tornade sur Métalos. Ah, bon bah, pas de tornade sur Métalos. Oh, dommage. Dommage, dommage. Et voilà, charge noire encore. On va peut-être tenter la capture après. Oh, doucement, Noctali. Commence à prendre très cher, là. Balombre, aïe. Je crois que Noctali est KO. Ah non, il attaque Suicune. Ok. Bon. Noctali, on va faire une feinte sur Terraclope, comme ça. On le dégage. Et normalement, enfin, je pense que c'est son dernier Pokémon. On est à combien là 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah oui, donc c'est ça. C'est son sixième Pokémon. Il en a plus après. Et Suicune, objet, super potion sur Noctali. On va le soigner. Je veux pas qu'il tombe. Je veux pas qu'il tombe. En tout cas, pas tout de suite. Voilà. Allez, toi, tu dégages. Hop là. 1054 d'XP, cool. Charge noire encore. Ouais. Ouh.
Il est dans le rouge. Noctali, Hyper Ball et Suicune, gros yeux. Ouais. Avec l'armure qu'il a, de toute façon, la défense qu'il a, c'est pas un gros yeux qui changera quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est bon? Une fois. Ah! Il va être coriace. Je pense qu'il va être coriace. Charge noire. Ça me plaît pas, les charges noires, il va se mettre KO tout seul. Bon, Noctali est, est KO, c'est pas grave. On va mettre Entei. Je sais pas s'il a des attaques sol ou pas, mais de base, je sais qu'il peut en avoir. Hein. Entei, tu vas juste faire gros yeux. Et puis Suicune, une Hyper Ball. On retente l'hyper. Hein. Puis si ça passe pas, on fera une Chrono Ball après. Allez, c'est reparti. Hop. Allez, vas-y, reste dedans. Une fois. Non, ça tient pas. Ça tient pas. Il va faire charge noire. Ouais, on s'en fout que ça marche pas. C'est. Ouais, il refait charge noire. Aïe. Allez, du coup, Entei. On va juste refaire gros yeux aussi. Et puis Suicune, on va utiliser une Chrono Ball. Surtout pas la Master, bien sûr que non. Allez, Chrono Ball. Est-ce que ça va suffire? Une fois. Deux fois. Trois fois. Ah! Et charge noire. Aïe, il va se mettre KO. Non. Entei prend très cher. Ok, il est pas KO. On retente. Avec Entei. Direct. Chrono Ball. Super potion sur Entei. Voilà. Pour pas qu'il tombe aussi, lui. Allez. Ça va marcher, là. Ça va le faire. Ah, franchement, on y était presque. Allez, Métallos. On a réussi à avoir tous les autres jusque-là. Tu peux rentrer aussi. Une, deux, trois. Oui! Et c'est capturé! Ouh! Bouyashaka! Bouyashaka! Quel idiot! Je ne comprends pas comment. Ah ben c'est comme ça. Non, ce n'est pas encore fini, Nairod. Encore une fois, tout de suite. Quel spectacle embarrassant, Jakila. Ah, je suis désolé. Qui c'est? Quoi? Jakila s'excuse? Mais pourtant, c'est lui le grand chef. Non! Oh, je l'avais oublié! Bien, c'était un superbe combat que vous nous avez montré. Pour être franc, je ne pensais pas que vous auriez pu arriver jusqu'ici. Quoi, monsieur le maire, que faites-vous là? Y a plus de musique. Haha, tu n'as pas encore compris. Voilà une petite fille bien lente. Par moments, je suis le gentil maire, mais à d'autres, je redeviens le grand chef du maléfique groupe Ombre. C'est moi, le terrible Nosferat. Comment avez-vous osé vous mêler nos affaires? Nous devons recommencer tout le plan Pokémon Obscur à zéro. Vous allez me le payer. Pourquoi il vole le monsieur, là? Je vais vous massacrer. Vous ne nous mettrez pas deux fois des bâtons dans les roues. Mais non, pas combat maintenant. Je veux soigner les Pokémon. Comment on les enchaîne, là? Leader Ombre Nosferat, Dratak et Macogneur. Je l'avais complètement oublié, lui. Je m'en souvenais pas du tout. Bon, les Pokémon sont soignés, c'est déjà pas mal. C'est génial, ça commence bien avec la baisse de l'attaque. Du coup, Dratak type dragon et très certainement vol parce qu'il peut voler.
et puis Mâconnieur type combat. On va faire Plaquage sur Mâconnieur et on va faire Onde Boréale sur Dratak. Danse Draco pour Dratak. Là, son attaque, sa vitesse augmente. Plaquage, bon, ça va pas faire grand chose, je pense. Ouais. C'était sûr. Allez, Onde Boréale. Ouah, bien, pas mal, hein. Ah, je suis content. Alors, autant les Pokémon, je les trouve vraiment bien faits. Autant Mâconnieur, je le trouve dégueulasse. Vraiment, il est dégueulasse. On va refaire Plaquage sur Mâconnieur. Et on va rebalancer une Onde Boréale sur Dratak. Aéropic, aïe. Ah ouais. Bon, bah, c'est KO. Pas grave. On va appeler Mentally. Oh, bah, je suis content. Ouh. Ah, dis donc, là, 4 Pokémon obscurs. Ouh, trop bien. Hein. Allez, dégage, toi. Merci beaucoup. Bon, toi aussi, je suppose que t'as 6 Pokémon. 1401. Bon, ouais, ok. Et 6 Aiox. 6 Aiox, Acier, Insecte. Wow. Allez, Mentally, Psycho sur Mâconnieur et Suicune, on va faire une Onde Boréale sur ces Aiox. Allez, Psycho, défonce-le moi, mets le KO. Oh, dommage. Allez, Onde Boréale, mais ça va pas le mettre KO, ça. Ah, mais je pensais que ça aurait fait plus de dégâts, moi. Vent argenté, ok, Mentally est KO. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va envoyer Entei. Oh putain, le séisme sur Entei. Aïe. Abusé. Si Zayox a pris cher aussi, ça c'est cool. Suicune. Ah, puis si j'envoie Raikou, il va morfler aussi. Allez, Noctali, on va faire Balombre sur Si Zayox. Et on va faire Surf avec Suicune. Et normalement... Ah, j'espère que ça va mettre KO Mâconnieur déjà. Ok, pas Si Zayox, mais la Balombre peut-être qu'elle passera. Mâconnieur, ok. Par contre, il faudrait absolument qu'on utilise des rappels. Hein. On tiendra pas sinon. On a quoi là? On a fait 2. Là c'est son troisième Pokémon ici. Il lui en resterait 3. Sûrement. Dont son Pokémon obscur. Monaflémite. Est-ce que c'est... Ah non, c'est pas le Pokémon obscur. Bon, j'y ai cru. C'est pas très efficace. Ouais, mais là encore une fois, je pensais vraiment que ça aurait fait plus. C'est abusé. Vent argenté. Ah, il va morfler. Oh. Ouais, il faut absolument qu'on utilise des rappels. Allez, Raikou. Allez, Noctali, on va faire une Balombre sur Monaflémite. Et Raikou, on va faire une charge noire sur Cizayox en espérant que ça le mette KO. Aïe, il attaque plus, attention. Ils vont faire 2 fois plus mal. Allez, mets le KO, s'il te plaît, Raikou. Mets le KO, vraiment mets le KO. Merci. Merci. Pfff. Noctali monte au niveau 50. Nice. Et Roigada. Oupsi. Oh. Ah mince, j'ai bugué sur mon Aflémite. Mais oui, Spec, ça fait rien sur les Pokémon de type normal. Aïe. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire Balombre sur Roigada et Raikou. On va faire un Fatal Foudre. Ouais, bah, ils paraissent très bien. Allez, Fatal Foudre, parfait, ça passe. Ça, c'est nickel. Et c'est le Mekao. Bon, bah, génial. Bon, très bien. Ça me va. Ça me va amplement. Même si la Balombre passe pas, c'est pas grave. Ah bah non, il a Tyranocif. Alors, Roche et Ténèbres. Ah ouais. Alors, attention, là aussi. Ah ouais, bah, c'est son Pokémon obscur. Ah bah oui, bah, c'est logique. Ah bah là, c'est logique.
Oui. La tempête de sable. Ok. Bon. Noctali, tu vas faire Balombre sur Tyranocif, mais j'espère que ça va pas le mettre KO, hein. Vraiment pas. Et puis Raikou, on va faire Fatal Foudre sur Monaflémite. Éclat de griffe. Ouais. Aïe, 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 aïe. Oh, ça pique. Oh. Oh, puis il reste plus que Noctali. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah là, ça va mal, là. La fin du combat, là, ça va mal. Rappel sur Suicune. Et puis si ça se trouve, l'autre, il va nous faire un éclat de griffe sur Suicune. Donc au final, ça aura servi à rien. Non, il paraît. Fatal Foudre, bah non, bah comme par hasard. Bah, comment tu pouvais savoir que j'allais utiliser... Oh non. On va refaire un rappel sur Meganium. On va tenter, hein. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il va nous les achever en un coup à chaque fois. Ouais. Voilà. Non, c'est intenable. Intenable. Là, je vois pas comment on peut faire. Oh bah. Ok. Eh bah, fin. Fin du combat. Aïe, aïe, aïe. Dommage, quel dommage. Eh ouais. On a plus de Pokémon. Bon, et bah du coup, on se retrouve juste devant la bande de sauvegarde. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je pose la manette. La prochaine fois, on retournera voir le maire. Et on essaiera de le combattre. Voilà. C'est comme ça. Bon, en tout cas, super content. On a réussi à obtenir Écrémeux, le petit Absol, magnifique, Démolos, Tropius et Métalos. Et en plus, mais c'est que ceux-là, ils ne sont pas niveau 40 comme les autres. 48, 48, 49 et 50. Et ça, c'est cool. Nous allons malheureusement nous laisser sur une défaite. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il faut bien, hein, sinon le jeu serait trop facile et ça serait pas intéressant. Mais ouais, non, c'est compliqué. Mais je pense vraiment pour la prochaine fois que j'irai faire encore quelques combats dans le Colisée. Pas pour Pex, les Pokémon. Ils n'ont pas besoin de prendre plus d'XP. En tout cas, ils ont un bon niveau, je trouve. Nos Pokémon, je les ai bien XP comme il fallait. Là, ce qu'il faudrait vraiment, ce sont des guérisons et des rappels max. Je ne sais pas si on peut en trouver des rappels max. J'ai pas souvenir. Mais si j'en trouve, oui, clairement, c'est ce qu'il faut. Parce que le coup de... Et un rappel. Et une hyper potion. À chaque fois, il y a deux tours et ça devient vite compliqué. Mais bon, ben en tout cas on connaît maintenant un petit peu les Pokémon que le boss, hein, voilà, hein, le vrai boss a, donc ça va nous faciliter les choses pour la prochaine fois. Bon ben voilà, allez, on va se laisser là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche ben, pour pas rater justement le prochain combat. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas, c'est un mystère. Allez tout le monde, on se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien, c'était Nairod. Ciao, ciao.